Il a tout donné pour la promotion de la musique tchadienne et bercer les mélomans. Il, c'est l'artiste et musicien Guy Dikolum Belkamangar alias Sultan. Son absence sur la scène musicale il y a 2 ans s'explique par son état de santé qui l'a immobilisé. C'est suite à un accident survenu le 17 août 2021. Selon son médecin, son insuffisance rénale nécessite une prise en charge intense. Le coût de l'opération chirurgicale est 45 millions de francs CFA, une somme que l'artiste ne peut pas la fournir, vu ses moyens très limités. C'est pourquoi le soutien des bonnes volontés est vivement sollicité. Grâce au soutien du chef de l'État, on a pu sauver cette jambe. Je suis déclaré atteint d'une insuffisance rénale et il me faut changer un rein. J'ai fait cette conférence pour lancer un appel, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui veulent bien m'aider ou toutes les personnes qui veulent me secourir et même moi, à l'État, de me prendre en charge pour aller changer ce rein. L'artiste tchadien qui s'est illustré sur la scène musicale a à son actif plusieurs albums. Parmi ses chansons, phare figure Enfant Soldat, Kidi Gourane et Bidjé. Sauver l'artiste tchadien, c'est aussi faire preuve de la nationalisme et participer à la cause de la musique tchadienne. Refuse de grandir dans un monde de douleur et de tristesse. J'ai le droit d'avoir des amis, le droit d'appartenir à une famille. Manidou, douas, manidou, ta, ton palais, la, zabrier.